Je veux parler de la forme physique parce que ça aussi, c'est une autre chose qui a été oubliée pendant la pandémie. Hein. Monsieur Legault, il nous disait de lire des livres, faire des siestes, puis rester chez nous, puis pas voir personne, puis surtout pas inviter de la visite. Mais jamais il a mis de l'avant l'activité physique. Donc, je suis content qu'il y en ait un qui se lève ici dans la circonscription de Verchères, un propriétaire de gym qui se joigne à nous puis il va porter fièrement nos couleurs, Pascal Derry. Le constat est que, oui, on a un système de santé qui est défaillant, mais le constat est aussi, et ça, c'est la responsabilité de chaque individu, il faut juste être honnête avec nous-mêmes. Collectivement, on est en mauvaise santé. Monsieur Legault, il nous disait de lire des livres, faire des siestes, puis rester chez nous, puis pas voir personne. Mais jamais il a mis de l'avant l'activité physique. Donc, chaque individu peut contrôler son niveau de santé. Ta santé est ta responsabilité. Mais jamais il a mis de l'avant l'activité physique. Ta santé est ta responsabilité. Mais jamais il a mis de l'avant l'activité physique. Hashtag ta santé, ta responsabilité. Vous pouvez même me suivre maintenant sur Twitter, @SenseiPascal. Vous avez maintenant du contenu disponible sur comment justement l'activité physique, avec recherche scientifique à l'appui. C'est quelque chose qui a manqué pendant 2 ans au niveau de la CAQ, recherche scientifique à l'appui. Mais jamais il a mis de l'avant l'activité physique. C'est notre responsabilité. Oui, les urgences peuvent être bondées par un système défaillant, mais ça peut être aussi notre responsabilité d'éviter les urgences, d'éviter les hôpitaux. Une autre initiative, parce que gang de Verchères, je veux vous jaser. Sainte-Julie, je veux te voir. Verchères, je veux te parler. Calixa, même chose. Varennes, Contrecœur, comment ça va dans votre bout? Je veux apprendre à vous connaître. Et pour cette raison-là, parce que je vais être proche de vous, le PCQ, c'est un parti de proximité avec les citoyens. Chaque jeudi, 20h30, tu tires une bûche avec Sensei, c'est pas compliqué comme ça. Je veux savoir surtout comment votre Sensei peut vous aider. Comment le PCQ peut vous aider.